La nuit du destin arrive dans les prochains jours, écoutez attentivement. Pour celles et ceux qui désirent savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou dire particulièrement pendant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, très simple, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à l'interrogation de son épouse Aïcha radiyallahu anha wa ardaha lorsqu'elle l'a interrogé en lui demandant Ya Rasulallah, au messager d'Allah, si je tombe ici dans la nuit du destin, Laylatul Qadr, que dois-je faire? Que dois-je dire? Qu'est-ce que je dois dire? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, regardez, une phrase simple, tellement que Dieu veut pour nous, eh bien, le bien, et veut nous faciliter de bénéficier d'une énorme récompense. C'est quelque chose de très simple à dire, et ça, c'est un cadeau qui a été donné par le prophète alayhi salatu wassalam à Aïcha. Et c'est une opportunité pour nous toutes et tous de bénéficier du pardon du miséricordieux. Il lui dit, dis, Allahumma, innaka afuun. Apprends cette invocation. Toutes les 10 dernières nuits du Ramadan, dis cette invocation. En arabe ou en français, vu qu'elle est simple, tu peux la dire en arabe et tu as la compréhension en français. C'est mieux, sinon dis-la en français. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Eh bien, répète cette invocation pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Tu as déjà gagné énorme. Tes péchés, inshallah, seront pardonnés. Allahumma, innaka afuun, tuhibbul afwa. فاعف عني